Par ailleurs, il ne sert à rien d'extrapoler sur le prétexte de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEAC pour justifier que des étrangers, aussi voisins soient-ils, se livrent impunément aux tueries, aux viols et aux vols chez ceux qui leur ont accordé l'hospitalité. Ils ont arrêté, interpellé près de trois catégories de personnes. Il y a, premièrement, les clowns à proprement dites, les bandits, qui sont aussi bien de la RDC que du Congo. Ceux qui opèrent avec les machettes, ceux qui opèrent avec les armes, parce qu'il y a des armes qui ont été saisies, ça c'est le premier groupe. Nous avons également interpellé les gens qui sont en situation irrégulière. Et vous savez que le phénomène Kuluna est intimement lié à la présence au Congo des sujets de la RDC. Vous savez qu'au niveau de Kinshasa, il y a une grande opération qui est organisée, l'ICOFI, qui a même pris une dimension supplémentaire parce qu'il s'appelle maintenant l'ICOFI+. Et la facilité de traverser entre Kinshasa et Brazzaville a fait qu'il y a beaucoup de ces bandits qui ont traversé le fleuve et qui sont arrivés ici. Et qui malheureusement ont trouvé un terrain propice parce qu'il y a aussi des bandits au niveau de Brazzaville. Ils ont fait cause commune, ils sont nombreux. Donc il y a ce groupe des gens qui sont en situation irrégulière. Ces gens ont été arrêtés. Il ne s'agit pas seulement des ressortissants de la RDC, il s'agit bien des étrangers qui sont au Congo et qui sont en situation irrégulière. Le troisième groupe des personnes interpellées, c'est des personnes qui ont été trouvées dans des fumoirs. Vous savez aussi que dans les quartiers périphériques, il se développe des zones comme ça où habituellement il y a la consommation de la drogue. Là aussi, on en a attrapé. Les autorités et habitants de Kinshasa en République démocratique du Congo ne doivent pas pousser loin leur ego, oubliant les missions régaliennes d'un État et les conditions à remplir pour s'établir sur un territoire autre que son pays d'origine.